famille, cette histoire de Nika Paul a engendré des enfants, comme l'histoire de MMK avait engendré des enfants là. Cette histoire aussi a engendré des enfants. C'est amené jusqu'à ma cause est entrée dedans, jusqu'à ma bio est entrée dedans, jusqu'à le petit de ma bio est entrée dedans, jusqu'à les amis de ma bio sont entrés dedans et ça a mélangé, ça a fait du bim dans les réseaux sociaux. Il y a une vidéo, je pense que c'est seulement une vidéo ici, je pense que c'est pas la semaine passée, la semaine dernière, de ma bio avec Camille, avec et Chacha, avec si c'est qui là, j'ai oublié même. J'ai oublié les titres, sinon j'allais vous envoyer, d'aller fouiller la vidéo là, de regarder. Aujourd'hui là, on est assise encore dans cette histoire. Camille est sortie. Elle a dit ses vérités à ma bio. Elle a dit, je vais vous dire seulement une chose. Elle a dit que ça fait une année qu'elle ne parlait pas avec ma bio, mais elle est venue ici pour acclamer pour ce que ma bio a dit, a répondu à Chacha. Écoutez bien. Et je répète même plus. On va suivre la vidéo comme ça, vous allez bien écouter de vos propres oreilles qui sortent de la bouche de Camille. Camille, enfin, remercie ma bio. Elle a dit, nous avons un seul ennemi commun. C'était qui l'ennemi? Suivons tous la vidéo. On ne peut pas suivre la vidéo sans vous saluer quand même. Nos salutations à vous qui êtes devant nous. On nous suivra à ces moments. On salue aussi les guetteurs et les nouveaux venus. S'il vous plaît, ne quittez pas la page. D'abord, on a remarqué que vous n'aimez pas. Aimez les vidéos. J'ai pas dit d'aimer la vidéo là qu'on met la vidéo là. Non, c'est d'aimer les Helios 13, d'aimer les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. C'est ça, vous allez aimer. Donc, aimez déjà la page déjà. Aimez déjà. Tout le monde, aimons la page. Et si vous êtes nouveau ici, faites-vous aussi abonner. À partir maintenant là, vous allez seulement cliquer un pas en arrière. Vous allez voir là-bas en haut. Faites-vous abonner. La note de notification, c'est là aussi. Cliquez sur ça, c'est tout. Et puis, on continue. Vous venez vous appuyer encore là. Ça va vous remettre sous la vidéo. Et puis, vous allez suivre la vidéo. Suivons tous la vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Le live de Jarabi ici. J'avais personne comme épaule. Hein. Je suis monté, moi seul, je me suis défendu, moi seul. Tout le monde a eu son heure de gloire. Je comprends pourquoi aujourd'hui, ma bio parle, parce qu'elle comprend certains trucs. Et on dit que c'est là qu'on trouve qu'elle est vieille. C'est un truc que non, comme ça. Non, il n'y a pas ça dedans. Moi, je ne suis pas monté pour elle la défendre. Moi, je suis juste monté pour dire que il y a des choses où on n'a qu'à partir. On va bien l'écouter. Et puis, on va se calmer pour comprendre certains trucs. Quand vous dites dans votre live que non, Camille s'est excusée. Oui, je me suis excusée parce que je me suis retrouvée encerclée. Moi, je suis une personne là. Quand je reconnais mes fautes là, je m'excuse. Ça n'est pas de moi une personne faible. Moi, on m'a toujours dit que s'excuser fait de toi une personne. Genre, je te grandis en t'excusant. Je sais que j'ai merdé. Quand ma copine me dit, tu as parlé de moi. Et quand je ne sais même pas de quoi il s'agit, la seule réaction que je peux avoir, c'est de dire, désolé mon ami, je demande pardon si je suis allé loin de mes propos. Mais hormis ça, quand je finis de parler avec mon ami, et puis elle sort sur les réseaux, j'ai été seule pendant une semaine. Personne n'a vu mon mari faire des statues. Personne n'a vu aucune de mes amies faire des statues. J'ai endossé moi seule. J'ai assumé moi seule. Aujourd'hui, sur ma bio, ça fait un an que je considère ma bio. Hein. Normalement, quand je dis on est un ennemi en commun, c'est ma bio. Quand toi, tu m'as laissé pour aller causer ma bio, c'est pas ma bio aujourd'hui qui a trouvé que, ah Camille, tu as vu, non? Toi, tu es ma petite soeur. Hein. Tu t'es laissé embobiner, tu es passé dans un groupe. Et puis aujourd'hui, c'est toi ce qu'on met devant. Et puis c'est toi qui deviens la mauvaise. En tant que moi, je suis monté dans le direct, moi, je n'ai rien dit. J'ai juste regardé. Je n'ai pas parlé. Donc aujourd'hui, ma bio a le droit même de nous naguer. Ma bio a le droit même de faire des snaps où on dit, revenez faire cette amitié. Ma bio a le droit
de narguer qui elle veut. Moi, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Quand elle a mangé pour dire, j'ai longtemps monté, hein, qu'est-ce que c'est? Je savais que c'était pour nous narguer. Mais j'accepte. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, ma belle est venue me défendre. Mais j'accepte que tout ce que la personne est venue te dire là, elle a raison. Parce que c'est comme si on a fait un petit groupe, un petit troupeau, et puis son nom est bien sorti dedans. Elle peut nous ignorer. Moi, il ignore les gens en 2020, et puis il les reprend en 2023. C'est à mon rythme. Et c'est quand je décide, et c'est quand je veux. Donc si Mabé n'a pas répondu quand on est monté, et puis ils ont traité, tu ne te laves pas, tu es drogué, Mabé n'a pas parlé de ça. Elle a boué. Donc si aujourd'hui, elle se sent pour dire que ah, vous avez fait petit troupeau contre moi, mais revenez, faites cette amitié. Revenez pour que ce soit le l'aide-moi à détester. Que ce soit tant, son nom se baladait dans le discours. Mabio, non. Moi, il ne l'en veut pas. Il cause pas elle. Et puis quand je suis monté dans le direct là, je ne veux pas d'amitié avec elle. Autant elle ne veut pas d'amitié avec moi, autant aussi je ne veux pas d'amitié avec elle. Mais je veux juste dire que je suis un peu reconnaissante parce que c'est la seule qui est venue me dire ce qui devait être dit. Si Mabio ne sortait pas là, moi aussi, je suis monté dans le live de Jarabi ici, mais je suis resté comme la toxique. Donc, si Mabio montre que nous tous, on est toxiques là, je ne dis pas que je ne suis pas toxique. Hein. Mais Dieu merci, il y a Mabio qui montre qu'on est tous toxiques. Et je suis étonné aujourd'hui que ma grande CPDK, ma propre camarade Camille, qui ne critique pas. Ça, c'est quoi on appelle pied le coloro? C'est quel pied? Non, man, c'est ce qui t'a fait mal. C'est la sortie de Mabio qui fait éclaircir beaucoup de choses aujourd'hui. Et moi, je remercie Mabio. Même mes grandes soeurs, toutes mes vieilles, elles n'ont qu'à être déçues comme elles veulent. Moi, je remercie Mabio. Parce que si Mabio n'était pas sortie là, on n'allait pas savoir que tout le monde critique. On n'allait pas savoir que tout le monde critique. C'était moi seul. J'étais la vipère. J'étais la toxique. J'étais la critiqueuse. Malgré que je fasse m'excuser. Donc, on en veut quoi, la dame? C'est normal. Elle peut nous narguer, mais tout ce qu'elle veut, elle peut se lever en fait direct de 18 minutes. Elle a ses raisons parce que c'est comme si c'était un petit groupe contre elle. Elle devient quoi? Elle est vieille ou même elle a quel âge? Moi, je n'ai pas envie de la défendre. Je ne suis pas là pour défendre Mabio. Je la remercie simplement pour ce qu'elle a fait. Elle m'a permis aujourd'hui de déjà mon bécan parce qu'elles ont su qu'elle chillait moi. Et ça, c'est un bon mot. Il a toujours dit que moi, il ne répond plus au clash. Je ne suis plus dans ça. C'est pour ça qu'ils ont le courage. Donc, quand ça arrive à Mabio, elles n'ont plus d'énergie. Moi, je suis prête à les livrer. Codice énergie, une Red Bull. Pour que nous, on ait les ailes. Et puis, on commence. Merci, Mabio. Tout le monde a s'est fâché à moi. Mais merci, Mabio. Arrêtez. Mabio, à quel âge? Oui, parce qu'elle est boubou. Moi, mon petit, vous avez dit que moi, il est 34 ans. Donc, Mabio a 52 ans. Jarabi. Ensemble. Comment dire non, ça? Non, Camille, fort. Camille, attends, moi je veux dire quelque chose à Camille. Camille, quand tu es venu dans ce live, moi à aucun moment il a pensé que c'est toi qui dois porter le chapeau de ça. Là. Moi il a dit, celle qui a allumé, qui a fait que Camille est venue même dans les lives, il y a une seule personne, c'est Sacha. Moi il ne change pas. Hein. Moi il essaie pas de comprendre ce qui se passe entre vous là-bas. Moi, il est réel ce qu'il voit. Et ce qu'il a vu là, c'est Sacha. Donc, moi, pour moi, le problème, c'est Sacha. Attends. Moi, il y a bu hier. Je me suis réveillé à 8 heures pour apprêter mon fils pour qu'il parte à l'école. Je ne suis pas saoulé. Je ne suis même pas saoulé. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est correct. C'est ce qui est normal. Moi, il y a déconné. Moi, je reconnais que je déconne. Ma copine m'écrit. Elle me dit, je regarde mes snaps, je vois un flashback. De 2 ans jour pour jour, je transfère à ma copine. Elle me dit, ne me parle pas, hein, parce que tu m'as transféré avec l'autre fille là. Tu m'as critiqué avec elle. Je ne comprends pas. Après que je comprends, je dis, ma copine, excuse-moi, désolé. Si je suis allé loin dans mes propos, je m'excuse. Je me suis laissé emporter. Mon affine de regret son ligne, prof. Si c'était moi, j'étais sorti premier. Pourquoi je suis premier? Quelqu'un te voit causer Mabio, pourtant on a bloqué Mabio, nous deux. Et vous pouvez sortir, on a dit que c'est Camille qui aime exposer les gens.
Je peux seulement vous dire que non. Si on me demande, mais est-ce assez payé, dit que non, moi je préfère les gens qui crient, les gens qui le sont, ils sont un eux. Mais reste de mon coup, ils ne parlent pas. Mais on te demande où est ta femme. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, on connaît qui est la cause de ça. Oui, on n'est pas les premiers à se diviser. On n'est pas les premiers à se diviser. On ne sera pas les derniers. Avant nous, il y a nos grandes soeurs qui se divisent avec les amis. Exactement. Ouais. Avant nous, il y a les gens qui vont se dire non. Mais elle boit, elle ne répond pas. Moi, avant elle-même, moi, il y a des amis qui ne parlent pas. Autant me persécute, on persécute mes amis, mais jamais aucune n'a affiché mon nom. Aucune n'a répondu dessus. On boit parce que tu as la possibilité de répondre en une bosse et tu as la possibilité de mettre sur les réseaux que tout le monde voit. Mais quand tu as mis là, c'est pour me jeter à la vie populaire. Donc assume ce qui se passe. C'est là maintenant ton repère là, venir dire que tu es là. Sois faute. Faute où? On est dedans. En plus, on regarde le compte. Camille, tu penses que... Camille, on est dedans même, Camille. Attends, Alex, attends, moi j'ai une question pour Camille. Camille, tu penses que hier la sortie de ma bio, là, c'était vraiment pour te défendre? Écoute-moi, que ce soit pour me défendre ou que ce soit pour ne pas me défendre, je dis que la dame a raison. Elle peut sortir même pour nous naguer, c'est normal, c'est légitime. Parce que on s'est replié contre elle. À la base, c'était l'amour. C'est un autre ennemi en commun. Vous deux, oui. De base. Ou bien. Oui. Donc, normalement, elle peut même sortir, mais pour se moquer de nous. Donc, ils ne jugent pas sa sortie. Ils ne m'ont pas les couilles de sa sortie. On parle qu'elle est vieille. Comment? Moi, mes petits se sont reliés. Genre, se sont alliés contre moi. C'est normal. Si ils sortent, il est bien mal, ils m'en foutent. Ils ne doivent rien. Donc, ma bio a sa sortie comme elle veut. Elle a tout le temps. Mais moi, mon plus grand problème, tu vas me dire que c'est Titi et puis maintenant, matin, quand ma bio sort, que c'est ma bio, pas bien, pourquoi? Arrête, tu vois ça? Tu vois ça? Non, c'est la sorcellerie. Ennemi en commun. Donc, si ma bio te dit quelque chose, normalement, tu l'écoutes et puis tu m'appelles et puis tu me dis que il y a celle. Elle dit quoi même? Ma bio m'a appelé, elle me dit que tant qu'on va venir nous mélanger, c'est la base. Et c'est notre ennemi en commun. Donc tu écoutes, c'est que notre sorcière là, c'est qu'elle te dit que moi j'étais insulté, que moi j'ai pas été végétu, que moi j'étais critiqué, et puis tu crois à notre ennemi en commun, c'est que toi tu as un problème. Tu m'appelles pas pour me demander d'abord, hein. Tu sors sur moi, pendant que je me suis ridiculisé, je me suis rabaissé, pour te demander pardon, ni le boss. Même après tout ça, ils sont encore retournés dans le boss pour dire que désolé. Par exemple, moi, je suis une personne, je ne critique pas mes amis. Mais c'est la collègue qui était critiquée. Tu ne veux pas parler des fois que le mot te voit, elle. C'est normal qu'il agit sur le fait de la colère. Et puis, elle te brise. Et puis, elle te biama. Mais quand tu me fais des reproches, là, j'avoue, je ne dandine pas. J'ai dit, oui, ma soeur, je suis désolé. Mais parce que je t'ai vu, tu étais avec tant. Ça m'a fait mal, je m'excuse. Et là, qu'elle a fini de m'excuser, tu peux me parler jusqu'à présent, mais pourquoi supprimer sur les réseaux? Jusqu'à présent, mais pourquoi supprimer quelque part? Maintenant, j'avais dit que Camille, ma propre camarade, toute la première chose, que je ne suis pas Camille, je n'ai jamais été ami à elle. Arrêtez de faire parce que les gens, tu voulais que ça reste sur moi. Moi, je n'ai pas encore vu ma bio, c'est maintenant même moi l'ajouter. Ajoute-la même, bien brûlée même. Vous savez, Camille, Rebecca va parler, les gens vont parler. Je vous l'ai dit, vous comprenez. Essayez de voir les choses, ce que nous on voit, vous comprenez. Et ce qui se passe, c'est tellement plausible. Moi, je suis toxique. Mais je connais que mon moment, il en plume quelqu'un. Moi, je suis retourné dans cette amitié-là. Une maman m'a dit, une amitié qui commence avec des appréhensions, vous êtes des futurs ennemis. Bah, depuis 2000, quand tu as rompu la poste là, c'est 2022, donc depuis 2022 là, on est en 2020, c'est pourquoi on partit chez vous. C'est ce qu'il y a dans le live de Jarabi. Je dis, on peut compter le nombre de fois où je suis parti chez vous. Toi, tu as rompu le relève, elle faut aussi faire mes postes. Pendant que vous dites que c'est moi qui enregistre, et vous êtes là, vous êtes adulé. Vous ne réalisez pas que c'est moi qu'on a filmé à mon insu. Je connais. Je m'en fais mes ongles, on me filme. Moi, il ne me s'est pas lavé pendant combien de jours? Non. Hein?
Ça me fait mal, mais à fond. Oh, Yako, Camille, Dieu fait ton parler. Vous savez, c'est clair cette histoire-là. Écoutez, Mabio qui ne parle pas à Camille, ça fait quoi? Un an, hein? Écoute, et qui sort, et dans sa façon de rentrer en boulet contre Sacha, non? Hein? Elle-même, dans ses dits, elle dit, en même temps, je vais défendre même Camille. Attends, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose? Monsieur il y a... Alex, pardon, oui. On peut parler, s'il vous plaît. Oui, vous parlez, oui, c'est ce que je voulais dire. Voyez comment la chose est limpide, claire et nette. Allez-y, Baby. Après, bon. Baby, c'est Rebecca. Après, Rebecca, c'est Colombe. Merci. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. En fait, je vais être brève, mais bon, sans toutefois dire des propos assez blessants. En fait, les gens, je veux juste demander aux fans là, de sortir de l'émotion, en fait, surtout les fans de Sacha. Laissez vos émotions et puis essayez un peu de vous-même vous mettre à la place de certaines personnes dans l'histoire. Il y a eu un truc qui s'est passé dans le sens où Sacha a affiché Camille et Camille a été adulée. Acculée. Elle s'est sentie vulnérable. Mais moi, j'ai admiré la grandeur d'esprit de Camille dans le sens où elle est partie voir sa copine, même après ce qui s'est passé, même après le fait qu'elle a été affichée. Elle s'est excusée en disant « Ah, je m'excuse et tout », parce qu'elle a reconnu qu'elle a critiqué sous l'effet de la colère. Et tout à l'heure, elle vient de le dire et tout. Elle a reconnu. Nous toutes, on sait que la sortie de Sacha n'aurait pas eu assez d'impact si n'aurait pas eu assez d'impact si Camille n'était pas sortie, c'est-à-dire si Camille était restée dans son coin et tout, Sacha allait venir parler, les gens allaient prendre des puces, allaient s'étaser. Mais le simple fait que Camille soit allée demander pardon et que ça montait sur des panels, parce que je viens d'apprendre que elle est montée sur un panel pour pouvoir essayer d'expliquer les choses et tout. Il y a eu ça, les trucs se sont calmés. Je pense que moi, je me suis dit, à la longue, elles allaient essayer de parler entre elles et gérer. C'est l'amitié des stars. Nous, les non-nés, on peut rien dire. On regarde juste et puis on passe. Aujourd'hui, il y a une sortie de ma bio où elle vient. Moi, la sortie de ma bio, moi, je juge ça. Il n'y a pas eu de plus-value. Moi, c'est à mon niveau, hein. Parce que je me dis que Camille et Sacha savent dans quel genre d'amitié elles étaient. Elles savent dans quel genre d'amitié elles étaient. Parce que si Sacha avait toutes les preuves, c'est-à-dire que les gens étaient allés dire à Sacha, comme toujours, on lui dit que Camille la critiquait, c'est de la même manière, Camille l'a dit, c'est de la même manière que les gens venaient la voir pour lui dire que, pour lui dire que Sacha aussi la critique. Donc, les deux savaient dans quel genre d'amitié elles étaient. Et je sais que, même si elles vont pas le dire, elles vont pas le dire clairement, mais les deux étaient hypocrites. Et ça, il y a que c'est clair. Mais la sortie que j'ai jugée inutile, inutile et futile, c'est celle de Titi de maman. Quand la première fois, quand Sacha est sortie et tout, Camille n'a même pas mis le nom de Titi de maman et de Titi de maman. Elle est directement partie faire un snap où elle a commencé à expliquer que Camille lui a dit qu'elles se sont retrouvées à oh là là. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire en fait. Moi, c'est elle que j'ai trouvée quand même un peu méchante, en fait. Parce que toi, tu avais la facilité de réunir tes deux copines, que ce soit Camille, que ce soit Sacha, pour essayer de gérer les choses en interne ou bien d'essayer de calmer. Je sais pas c'est quel nom elle voulait laver. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Peut-être que j'ai raté une partie, mais j'ai pas compris sa sortie. Et moi, je pense que c'est ce qui a un peu envenimé les choses. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu et tout, et tout, et tout. Et peut-être Mabio est sortie et tout. Après, les gens jugeaient le temps que Mabio a pris et tout. Mabio n'aurait pas dû sortir pour faire ça, pour faire ça. Mais concentrez-vous sur ce qui a été dit. Laissez le temps que ça a pris, le temps ça n'a pas pris, ça devait prendre. Concentrez-vous sur ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Que la personne qui se victimisait, elle-même, elle est à la base de plusieurs ragots qui ont été dit. Ah, donc toi aussi tu critiquais. Ah, donc raison pour laquelle Camille sort aujourd'hui. Elle aussi, elle est étonnée. Ah, donc c'était moi le problème. Moi, je me remettais en question. Je faisais une introspection de ma personne dans le sens où c'est moi l'ami toxique. Déjà, je suis pas la seule toxique, en fait. Donc toi aussi, tu oses parler des gens. Toi aussi, tu oses faire ça. D'où le comportement, d'où le fait que Camille se réjouisse aujourd'hui. Donc, laissez sortir de l'émotion en disant que, non, Mabio n'aurait pas dû, mais Camille n'aurait, il y a rien qui parlait en disant que la sortie de Camille, tout récemment l'a dit. Non, Baby. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, le nouveau nom dans le bloc. Bon retour aux guetteurs. Hein? Vous pensez qu'on vous a oublié? Jamais. On ne peut pas vous oublier, non. Vous les guetteurs là, jamais. On ne peut pas vous oublier. Vous êtes là. J'espère qu'il y a des nouveaux guetteurs. J'espère qu'il y a des nouveaux guetteurs. Oui. Oui, on vous voit. On dit aussi bon retour
aux nouveaux qui sont ici, c'est votre toute première fois donc de nous surprendre dans cette vidéo ici. Bon retour à vous. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil. Voilà. J'étais dans l'affaire ici de Mabio, Camille et puis Chacha, Sacha. Et c'est qui? C'est Chacha. Voilà, Chacha. Et puis, c'est mélangé, c'était tout mélangé dedans. Je ne savais même pas me trouver où est la tête, où est la queue. Je ne savais même pas me trouver les pieds, c'est où. Je ne savais. Donc, j'ai écouté, il y avait même Eva Tatil, Beauté, il y avait plein de gens qui ont que cette histoire ici a mélangé. Mais vous avez écouté, Camille a dit quoi? Ça fait un an qu'elle ne parlait pas avec Mabio. Mais pendant que la personne qu'elle parlait avec, qu'elle se confiait avec, c'est la personne ici, on appelle ça tout pimp. C'est la personne maintenant qui part parler mal de Camille. Mais elle a aimé la réponse de Mabio. Elle a apprécié, malgré tout qu'elle n'est pas avec Mabio, hein, elle a aimé la réponse de Mabio. Voyez. Donc le jour d'aujourd'hui, on vous donne conseil concernant les amitiés. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a plus d'amitié. Auparavant, nous, là, quand on grandissait, nos parents, donc, quand on est amis, quand moi, je suis ami avec toi, donc, cela veut dire que vos parents connaissent mes parents. Mes parents connaissent, donc, on se connaît. On se connaît. Et puis, on ne faisait pas amitié seulement à tout le monde. Vous dormez, vous vous réveillez, vous êtes amis de tel. Non, c'était pas comme ça. C'était plusieurs fois. C'était quand vous retrouvez dans un même endroit, comme l'école, à l'église, ou bien quelque part, Malongi, on appelle ça Malongi chez nous, Malongi, ou bien l'école du dimanche. Hein? C'est là où vous vous trouvez avec un tel, c'est là où vous commencez votre amitié, c'est là où on s'amène. Il y a des amis de l'école, de mon école, j'ai dit deuxième primaire, qui on est amis jusqu'aujourd'hui. On parle jusqu'aujourd'hui. Nos parents se connaissaient. On connaît le frère de qui, c'est qui. C'est qui la première fille, c'est qui le premier né, c'est qui. Tout on connaissait. Donc, c'était une amitié plus que la famille. Moi, je vous dis qu'on parle jusqu'aujourd'hui. Deuxième primaire, jusqu'aujourd'hui, on a des enfants, on s'est mariés, les autres sont partis même en dehors de l'Afrique, aux États-Unis, par-ci, par-là. Mais on s'est parlé jusqu'aujourd'hui. C'est ça l'amitié. On s'aide entre nous. Malgré tout qu'on a fait seulement l'école primaire, l'école secondaire, moi, je suis partie faire ailleurs. Mais on se parle, on s'entraide. Nos enfants là, on dit, hey, quand je viens au pays là, il faut qu'on se retrouve avec nos enfants. C'est ça l'amitié. C'est pas, surtout l'amitié des réseaux sociaux. Méfiez-vous, méfiez-vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une vraie amitié dans les réseaux sociaux. Il y en a un. Mais la plupart des amis des réseaux sociaux, on vous donne conseil aujourd'hui, méfiez-vous. Méfiez-vous. La tranquillité, c'est où? Quand vous êtes tranquille, vous allez au travail. Si vous êtes marié, vous rentrez à la maison. Même si vous n'êtes pas marié là, même si vous êtes enfant ou quoi. Vous allez au travail, bien vous allez à l'école. Vous rentrez à la maison. Vous vous asseyez avec, si c'est votre famille ou si c'est votre qui là. Asseyez, vous soyez calmé. Même si vous sortez dehors, vous avez, moi j'appelle collègue ou bien quoi là. On devient de foi, c'est comme si les amis. Moi, chez moi au travail, j'appelle tout le monde mon ami. On a toujours, ici en Afrique, là, on appelle tout le monde bébé. Même si vous n'êtes pas marié, on appelle tout le monde chéri, mon bébé, mon chéri, mon. Tous les noms là, suite là, on appelle ici. Mais c'est la personne que vous appelez bébé là, c'est la personne qui va vous poignarder dans le dos. C'est ça, c'est comme ça ici. Alors, moi, au travail, j'appelle tout le monde bébé. Oh. Il n'y a pas un souci là-bas. J'appelle tout le monde bébé. Mais dans mon cœur, là, il n'y a pas un bébé là-bas. Il n'y a pas un chéri là-bas. Parce que moi, maman, j'aime pas de problème. J'aime pas de problème. Si vous voulez avoir une vie là, la vie paisible est là. Allez au travail, rentrez. Moi, j'ai des collègues même là. Qu'on ne sait même pas si on habite où. D'autres là ne sont même pas trop loin. Mais on ne connaît pas la maison de chacun de nous là. Les personnes ne connaissent pas chez moi. Moi, je ne connais pas là où ils habitent aussi. Mais quand on arrive au travail,
on est des amis au travail. Au travail. Je leur dis, quand on franchit la clôture du travail là, c'est fini. Oh. Notre amitié, ça reste dedans. Quand je suis sortie là, même si tu m'appelles, moi, je suis une autre personne. Donc, c'est ça. Il faut savoir comment vivre avec des limites avec des gens. N'est pas tout confier aux gens du dehors. N'est pas tout confier. Parce qu'un jour là, quand ça va péter, il y a une vidéo ici chez nous là où le boyfriend a fait sortir la vidéo hein, de sa copine. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rompus. Et puis là, il a fait sortir la vidéo pour tout le monde de voir dans les réseaux sociaux. Imaginez, dans les réseaux sociaux. Et on dit toujours ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, ça reste. La vidéo est là dehors, out there. Vous voyez, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager aussi avec vous à ces moments. Les guetteurs, vous êtes fatigués? Les guetteurs. Le nouveau venu, je vous vois, vous voulez déjà fuir. Ne fuyez pas, oh, je vous vois, oh. Ne fuyez pas, ne fuyez pas. Vous voulez fuir? Ne fuyez pas. Revenez, 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 revenez. Faites-vous abonner. Vous avez bénéficié des conseils ici, non? Et les guetteurs aussi. Vous avez bénéficié des conseils. Alors, revenez, revenez, revenez. Faites-vous abonner chez Lost 13. Faites-vous abonner ou cliquez sur la cloche de notification. Tous ensemble, les nouveaux à 100 abonnés, cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, pour nos abonnés. Quand on ouvre les cœurs de Lost 13, c'est vous là-bas dedans. On vous aime énormément, gravement, grave. Et on vous remercie. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nous, qui nous aiment tant et qu'on aime tant. Quand même, on remercie les guetteurs et les nouveaux venus. C'est vous, on invite encore de vous faire abonner. Jusqu'ici, ce n'est que des gros bisous à nos abonnés, peu importe qui ils sont, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. Encore de gros bisous à vous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.